chikitan chikititan dan dan ke dum bam bam ke dum bam ke tepe tepe. Merci de votre accueil. Bienvenue au studio Gabriel. Vous qui venez pratiquement tous de province, c'est bien, car je viens de là aussi. Alors, un programme très éclectique avec un invité d'honneur. C'est le premier invité du premier Vivement Dimanche de décembre. Voilà, c'est quelqu'un qui, en quelques années, est devenu quelqu'un d'important, et pas seulement en France, car il fait une carrière à l'étranger. C'est un ténor très séduisant, mais qui chante pas seulement l'opéra, qui a chanté avec beaucoup d'artistes de variété, vous allez voir tout à l'heure. On va lui consacrer tout le Vivement Dimanche. Merci Vincent Diclos. Bonjour Vincent, merci d'être là. Bonjour Michel. À l'occasion de cet album de duo ténor. Ténor, ça veut dire que vous revenez finalement à votre ADN. L'ADN, c'est quand même l'opéra. Oui, c'est vrai, c'est ma formation. Je suis un autodidacte, mais j'ai toujours tendu à faire vraiment du chant classique, lyrique. Et j'aime bien aussi mélanger un peu les styles. Et oui, je reviens à ma voix de ténor parce que c'est les deux derniers albums, m'étais un petit peu éloigné. Et c'est vrai que les gens qui m'apprécient m'avaient dit « mais on aime ta voix de ténor aussi ». Alors voilà, c'est un petit peu le cadeau que je leur fais. En écoutant, bien, on retrouve Rigoletto, Verdi, Tchaïkovski, Ravel, Puccini, Handel, Chopin. Mais également des duos surprenants avec Sarah Brightman, qu'on connaît moins bien en France, mais qui est une star mondiale. Vous êtes en tournée avec elle depuis très très longtemps. Avec elle des me duos. Laisse cette grande chance de faire trois duos avec elle, plus le single Ameno qui m'a révélé au grand public il y a déjà 7 ans. Très bien. Il s'en est passé des choses en 8 ans à peu près, sur une carrière qui a même pas 10 ans. C'est allé vite. Non, hein. Ça fait 7 ans. Je me souviens, c'était en 2012 quand j'ai sorti Opéra Rouge avec Ameno et les Chœurs de l'Armée Rouge. Oui, on va revoir ça tout à l'heure car vous aviez chanté ici. Et puis, dernières années, quand même, il faut rappeler, vous avez multiplié les collaborations. Vous avez chanté en première partie de Céline Dion, c'était à Bercy. Oui. Et puis, les comédies musicales, hein, quand même. Autant d'Emporte le vent, La Belle et la Bête, Les Parapluies de Cherbourg, c'est vraiment un répertoire extrêmement large. C'est tout ce que vous avez aimé quand vous étiez gamin. Exactement. Exactement. C'est ça, c'est que la vie est magique parfois, parce que quand j'étais petit, je rêvais de faire de la comédie musicale, j'en ai fait. J'ai eu la chance de faire des premiers rôles dans des spectacles incroyables. Je rêvais de faire des disques, j'en ai fait. Je rêvais de faire de la scène, j'en ai fait. Je rêvais de voyager dans le monde entier et chanter, c'est ce que je fais en ce moment. Enfin, la vie parfois est clémente, ouais. Avec une parenthèse anglaise importante. Vous avez eu votre émission, hein, ah oui, oui, à la radio anglaise. Ah oui, en plus de ça, ça a dépassé mes... Enfin, de toute façon, tout ce que je fais en ce moment, c'est du bonus. Parce que je m'étais fixé un objectif et je suis bien au-delà, quoi. Mais oui, j'ai eu la chance de... J'ai une émission à la BBC Two Radio, donc je crois que je suis un des seuls Français à avoir eu ça. Avec... Avant, il y a eu Sacha Distel, dans une autre, ouais, c'est dans une autre vie, qui était le français le plus aimé des Anglaises. C'est ça, et ça m'a permis, c'est une émission, donc je donne carte blanche, ça s'appelle Carte Blanche, et je donne carte blanche à des Français qui sont connus outre-Manche. Et j'ai eu la chance d'interviewer Brigitte Bardot, Jean-Paul Gaultier, Michel Legrand, enfin, c'est une grande, grande opportunité pour moi, cette émission, ouais. Alors, comme on s'est pas vu depuis longtemps sur Canapé Rouge, il y a quelques changements depuis la rentrée. Nous avons quelqu'un qui dessine magnifiquement bien, oui. Qui est là, Emmanuel Chenu. Il a commencé. Ça va. Et il viendra tout à l'heure, Emmanuel Chenu, comme chaque dimanche à la fin de l'émission. Il refera l'émission à sa manière. Alors, c'est vrai qu'en travaillant sur cette émission avec Rick Barbette, moi qui avais l'impression de tout connaître de vous, vous avez remarqué que je vous vois. Oui, là, je suis. Je me dis, ouais, je suis vraiment dans le Canapé Rouge. Non, quand on vient comme ça faire un passage, comme depuis longtemps, à la limite,
le tutoiement. Et quand on est arrivé à un stade, c'est le vouvoiement. C'est ce que je voulais vous dire, Michel. C'est-à-dire que moi, c'est incroyable d'être dans cette position aujourd'hui parce que j'ai toujours regardé vos émissions et jamais j'aurais cru qu'un jour je serais à cette place. Déjà, en être invité, y chanter, juste passer pour chanter, c'était déjà génial. Mais être l'invité fil rouge, c'est... Donc, merci énormément pour ce beau cadeau. Françoise, Eric, vous me faites un très beau cadeau. Alors, Vincent, quand on est l'invité d'honneur de Vivement Dimanche, on a droit à un petit rappel. Je savais que vous étiez fou de chansons quand vous étiez adolescent, mais j'avais oublié que votre papa était chanteur. Il chantait dans les bals populaires. C'est lui qui vous a appris le solfège. Qu'est-ce qu'il chantait, votre père? Le voilà, là. Ah, papou! Qu'est-ce qu'il chantait, papou? Il nous regarde, là, en ce moment, donc il doit être très ému comme moi. Ça va être compliqué. Oui, il chante un répertoire très éclectique, en fait. Beaucoup de chansons populaires françaises. Mais il m'a aussi fait aimer Mariano. Il m'a fait aimer Elvis. C'est quelqu'un comme moi. Aimable, grand accordéoniste. Oui. Il a beaucoup, beaucoup travaillé avec Aimable. Il est batteur, saxophoniste, chanteur. Il m'a appris le solfège. C'est la même chose pour Serge Lama, son papa était chanteur. Mais finalement, vous avez réussi votre rêve, qui était aussi le rêve de votre père. C'est ça. Et c'est vrai qu'à travers moi, il vit aussi des choses incroyables. Du coup, on peut vraiment discuter ensemble de... Il sait ce que c'est la musique, il sait ce que c'est chanter, il sait ce que c'est faire des spectacles. Donc vraiment, je le remercie. Et c'est vrai qu'à 5 ans, je faisais les duos avec lui déjà. Il m'a appris le solfège. Mais il ne savait pas que j'allais me diriger vers le chant classique. Et là, ce qui est très drôle, c'est que je revenais de temps en temps pour les vacances le voir. Et un jour, je lui ai dit « Papa, il faut que je répète un truc ». Donc je suis allé dans la chambre. Et là, il est rentré. Et il m'a dit « Mais c'est toi qui chantes, là ?» Il n'avait jamais entendu ma voix lyrique, en fait, ma voix classique. Et il s'est dit, ah oui, d'accord, ok. Alors, le lyrique, c'était aussi un art qu'on adorait dans la famille. Est-ce que votre maman était fan d'opéra? Oui. Les grands-parents musiciens, la grand-mère chantait également des grands airs d'opéra. Oui. C'est dans vos gènes, ça, hein? Oui, je crois qu'on est une famille de saltimbanques, en fait. Mon grand-père maternel, il a chanté, il a accompagné Piaf. Ma grand-mère chantait de l'opéra, maternelle aussi. Ma mère, enceinte de moi, a écouté de l'opéra. C'est peut-être ça qui... Ah, c'est voilà. Ça. Parce qu'au départ, quand on... Le fœtus commençait à swinguer. Déjà en santé. Le fœtus, il vibrait comme ça. Et non, mais c'est vrai qu'au départ, tout le monde a été très étonné que je prenne cette direction. Parce que... normalement, quand on a 20 ans, on ne va pas chanter trop du classique, surtout quand on vient de la pop. Et je pense que ça s'explique comme ça. Alors, à 18 ans, Samson d'Aznavour, prenez des cours de chant. Oui. À 18 ans, j'ai quitté ma province pour me lancer à l'Assaut de Paris. Et pour financer vos cours, vous étiez mannequin. Oui, tu vois, et un jour, j'étais... Cette époque-là? Oui, c'est ça. Oui. Il y a un frisson dans la salle. En fait, j'étais à la plage, un jour, je vous raconte juste, c'était à la plage. C'était à Saint-Tropez. Oui, à Saint-Tropez, j'étais à la plage et il y a quelqu'un d'une agence qui a ce qu'on appelle un talent scout, ouais, qui m'a donné sa carte, voilà. Et moi, en fait, je ne cherchais pas du tout à être mannequin, mais je cherchais juste à gagner de l'argent très vite pour payer mes courses. Et c'est vrai, quand on avait le physique qui convenait, on gagnait bien sa vie comme mannequin. Et oui, donc je ne travaillais pas beaucoup. Enfin, les castings, c'est très très long à faire, mais... Pour 2-3 heures, je gagnais pas mal d'argent. Je payais mes cours avec ça. Et c'est comme ça que je me suis construit, en fait. Et puis, moi, je vous ai vu la première fois au Palais des Congrès. Red Butler, Autant l'emporte le vent. Ça, c'était une grande aventure. Ça, c'est pareil. C'est la première fois que j'avais fait le rôle de Roméo. J'avais remplacé Damien Sargue. Ça avait commencé comme ça. Et ça, c'était vraiment le premier spectacle très médiatisé pour moi. C'était la première fois que c'était avec une chaîne de télé, que j'étais vraiment mis dans la lumière. Comédie musicale mythique quand même. Oui. Il y a eu les parapluies sur vous. Ah, les parapluies sur vous. C'est à l'époque, je crois, que vous avez rencontré un producteur qui a beaucoup compté dans votre vie et qui continue, qui est un peu un de vos pères également dans le métier, c'est Franck Seurat. Bien sûr. Qui est un producteur de télévision. Oui. Je présente régulièrement des émissions avec lui. Il a joué un rôle très important. Ah bah, plus qu'important, c'est décisionnaire même. C'est, ouais. J'en serais pas là aujourd'hui sans lui, donc je voulais le remercier. Infiniment. Alors, l'Opéra Rouge, l'album 2012, et c'est à cette époque où Françoise Coquet, moi je ne vous connais pas du tout, Françoise Coquet me dit, il y a un garçon qui a une voix et qui a enregistré avec les chœurs de l'Armée Rouge. Voilà, ça a donné ça. Dorime, interimo ad appare, dorime, ameno, ameno, lantire, lantiremo.
C'était Vincent Niclot sur ce plateau il y a 7-8 ans. Ameno du groupe Hera, extrait de l'album Vincent Niclot, Opéra Rouge. C'était une trouvaille, ça, de chanter avec les chœurs de l'armée. Ah, c'était peut-être là une des meilleures idées qu'on ait eues, en fait. J'avais envie de faire un album autour du chant classique, de l'opéra. Et j'étais toujours amoureux des voix. Je me suis dit, pourquoi pas aller chercher le meilleur chœur au monde. Et ils ont eu la folie d'accepter. On était, faut remettre, c'est en 2012, on a sorti l'album dans un contexte, tout le monde disait, mais c'est des dingues, c'est un ovni. Contre-courant, total. Et on pensait pas du tout faire ce succès, on était plus de 350 000 copies, ce qui aujourd'hui est incroyable. Quoi, vraiment. Vous chantez ça sur scène? Oui, bien sûr, c'est ma chanson fétiche, je la chanterai toujours, pour moi c'est le début d'une nouvelle vie. Alors, dans cet album, il y a Laetitia Milot.